Et salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le premier épisode de ce Let's Play qui, je l'espère, que personne n'a vu venir puisqu'il s'agira d'un Let's Play sur Marvel Spider-Man sorti l'année dernière sur PS4, soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Et oui, la surprise de l'année, elle est là. Mais avant d'aller plus loin, avant même de discuter de ça, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2019. Tous mes meilleurs vœux de bonheur pour ce que vous entreprendrez cette année, que ce soit au niveau personnel, professionnel, scolaire, vraiment plein de bonheur, la santé et que tout aille bien dans vos vies. Je pense que c'est mérité. Donc, la série Spider-Man, voilà. Je sais pas si l'un d'entre vous l'avait vu venir, j'espère très sincèrement que non. Mais voilà, la surprise de l'année, je voulais commencer très très fort. Déjà parce que ça fait une révélation que j'ai une console de plus chez moi, parce que ça fait un moment que je vous disais, j'ai pas de PS4, bah en fait, ça fait depuis novembre que j'en ai une. Je voulais juste attendre le début d'année pour lancer Spider-Man. Et en plus de ça, Spider-Man, c'est un jeu qui est assez énorme, parce que vous en avez tous entendu parler, c'est difficile d'être passé à côté. On va se lancer dès aujourd'hui. Alors, il y aura peut-être pas d'épisode pendant les prochains jours, parce qu'il faut le temps que je revienne chez moi pour en enregistrer. Mais une chose est sûre, c'est que vous allez avoir des épisodes du lundi au vendredi à 16h. Je vous dis dès maintenant, on va terminer le jeu à 100% et ça inclut les DLC. Sachant qu'au moment où j'enregistre, il y en a deux qui sont sortis. Le troisième va sortir dans quelques jours. Donc, au moment où vous verrez cette vidéo, il sera déjà sorti et très probablement installé sur ma PS4. Donc, autant dire qu'une fois qu'on aura fini le jeu, on aura encore pas mal de scénarios à faire. Mais avant même de se lancer dans le vif du sujet, je vais quand même faire une petite présentation pour celles et ceux qui découvriraient la chaîne au détour de cette vidéo. Eh bien, ces gens, je vais leur souhaiter la bienvenue. Je me présente, je m'appelle Babouli, vous pouvez m'appeler Babou ou utiliser mon prénom de la vraie vie IRL, à savoir Fred. Et sur cette chaîne, vous allez trouver des let's play de jeux divers et variés sur à peu près tous les supports possibles et imaginables, tout genre possible et imaginable, à l'exception peut-être des jeux de stratégie auxquels je suis pas très bon, les MOBA ça me gonfle et les Battle Royale, je trouve pas ça très sympa. Mais pour le reste, si je l'ai en ma possession, eh bien, il y a une chance que nous puissions y jouer. Et bien sûr, quand je fais des let's play, je suis souvent à faire des blagues ou des jumeaux pas toujours très drôles, pas toujours très bien placés. Alors, les voix, il n'y en aura probablement pas beaucoup parce que je pense que le jeu est doublé. Donc, je laisserai le doublage faire. Mais quand je fais des voix, ce sont des imitations de personnes célèbres ou d'accents de France et du monde qui ne sont jamais faits pour se moquer parce que ce n'est pas drôle. Et enfin, il arrive parfois que je dise des gros mots, mais ça, c'est simplement... on va dire, c'est passager. Parce que c'est parce qu'il y a un peu de frustration que les commentaires sont faits en direct, tout ça. C'est pas non plus maladif au point que je dois absolument dire oh non, ça non. Et bien sûr, mais quoique, juste dernier point sur les gros mots, j'essaie tout de même de réduire le nombre que j'en dis parce que je prends aussi conscience qu'il y a pas mal de jeunes dans le public et que tout le monde ne veut pas forcément m'entendre jurer aux quatre vents. Et bien sûr, tout ceci ne changera pas, donc si vous choisissez de faire comme les quelques 7000 personnes sur la chaîne qui ont déjà fait le choix de s'abonner et de me rejoindre, et ben je vous accueille à bras ouverts et je vous en remercie chaleureusement, et si d'aventure ça ne vous convient pas, je comprends parfaitement, je suis certain que vous trouverez un créateur ou une créatrice qui satisfera vos besoins youtubesques. Et aussi, dernière chose, vu que c'est un jeu qui est assez long dans la mesure où le scénario principal, enfin, où lisez tout le jeu de base, pour le finir à 100%, il faut environ une trentaine d'heures, on va avoir des épisodes plutôt longs, dont on comptait minimum 45 minutes par épisode. Ça, attendez-vous à des choses longues, et on va intercaler, le mot ne me revenait plus, des trucs secondaires avec des trucs d'histoire, donc il se peut que pendant un épisode on se concentre sur l'histoire, dans un épisode on se concentre sur les trucs secondaires, sur de l'exploration. Vous allez voir, il y a énormément de choses à faire dans le jeu. Alors, j'ai vu en let's play, j'ai à peine fait la première mission pour tester vite fait, mais voilà. Toujours est-il que nous sommes prêts à nous lancer dans l'aventure de Spider-Man. Donc voilà, la partie qui est là, voilà, ça fait, voilà. J'ai simplement retesté vite fait, mais... on va se lancer donc une nouvelle partie, on va aller en difficulté, alors, sympa, non, je pense qu'on va jouer en incroyable, c'est à peu près tout, l'incroyable Spider-Man, attends, quoi que, faudrait que je vois comment ça en anglais, parce que normalement c'est The Amazing Spider-Man, mais Amazing, c'est la difficulté incroyable, techniquement, ouais, techniquement ça passe bien, allez. Alors, je pense que la plupart des options, on va les laisser telles quelles, alors, je sais que vous allez peut-être m'en vouloir de ne pas mettre les sous-titres, en tout cas, les sous-titres, il n'y en aura pas pour cet épisode, tout simplement, parce que j'ai besoin d'images pour le générique de la série, alors que j'enregistre cet épisode, le générique n'est pas encore fait,
et c'est quand même mieux de pas avoir de sous-titres dans une scène qui est censée te servir de générique. Vous inquiétez pas, à l'épisode 2, je les remettrai, y a pas de problème. Et n'hésitez pas à me le rappeler si vous voulez être sûr que je le fasse. Généralement, il faut me rappeler les choses plusieurs fois pour que ça passe, donc n'hésitez pas. Bon, ben je crois qu'on est prêt. En avant. Découvrons ensemble l'aventure Spider-Man. Dès que ça voudra bien charger, bien évidemment. Alors je sais que le... Ah, en même temps, vous me direz, il faut quand même qu'il charge la ville de New York. Il y a beaucoup à faire, malheureusement. C'est un peu pour ça que... Voilà, parfait. Ah. Donc le Ben et Tante May. Peter, Mary Jane et je sais pas qui. Genre, je dois vous avouer que je connais assez peu l'univers de Spider-Man. Donc il y a peut-être des références que je vais louper. Ah, les dessins de la combinaison. Donc si jamais vous y connaissez un peu mieux que moi dans l'univers de Spider-Man, ce qui est très très probable, n'hésitez pas à me donner des petites infos. Oh, Harry Osborn. Harry ou Norman Osborn. Ok, donc les... Ouais, donc, tu vois vraiment qu'il a une vie d'étudiant, le Peter, quand même. Hein. Oula. Fisk, bonjour cher monsieur. Vous avez pas l'air commode, hein. Le rhino, d'accord, le vautour. Ah. Eh, c'est l'heure de te réveiller 8h05, hein. Moi je me réveille à 8h moins 5 pour le boulot le matin. À toutes les unités, mobilisation de niveau 4, emplacement tour Fisk. Fisk. Ok. Ça sent la baston ça. J'aimerais bien pouvoir avoir une visée aussi précise quand je mets mon pain dans le grille-pain. Hein. J'ai déjà pas quand je mets les céréales dans le bol en étant juste au-dessus. Bon, j'abuse un petit peu, mais bon. Allez, il va y avoir la figure, même pas. Attends, la musique elle est copyrightée, faut que je parle par dessus. Là, 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 j'évite les avis de copyright. Là, là, là. Mais non, oh, d'accord, on a carrément toute l'interface. Oh, et dis donc, Peter, il faudrait peut-être que tu payes tes factures. Il faudrait peut-être que tu payes tes factures, l'ami, hein. Si c'est ton dernier appel. Allez. Oui. Et je peux me balancer, moi aussi, ça a l'air marrant. Et il court sur les murs, le mec. Ah ouais, c'est sympa comme entrée en matière. Hein. Ah, c'est pas le contrôle. Ah, maintenant R2 pour vous balancer. Yeah. Le relâcher R2 pour vous détacher. Oui. J'adore déjà ce truc. Oh, bon, d'accord, on peut courir sur les murs. Ok, avec croix, on envoie un R2 pour courir sur les murs. Avec croix, on peut sauter. Avec carré, on fait quoi? Avec carré, on tape. Appuyez sur X, appuyez sur croix. Pardon, croix. J'ai pas trop l'habitude des PC. Alors, il y aura peut-être des X qui vont ripper. Alors, appuyez sur croix pour sauter, maintenez R2 pour balancer. Oui. Alors, tout en maintenant R2, puis sur croix pour sauter et gagner de la vitesse. Ok. Allez, on grimpe. Avec cercle, on fait quoi? Ok, mais attends. Faudrait que je vois ce qu'on fait avec cercle au sol. Attends, triangle. Capitaine Watanabe. Oh. Bonjour Yuri. Non, on est à la tour Fisk, mais on n'a pas le mandat. Ça vous dérange si je joue avec vous? Vous connaissez ces avocats. On doit faire ça dans les règles. Allez Yuri, ça fait 8 ans que j'attends ça. Vous voulez m'aider? Allez à Times Square. On dirait que ces hommes essaient d'empêcher les renforts d'arriver sur place. Ok, c'est comme si c'était fait. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est le doux? Je crois avoir lu sur Twitter que... On a le doubleur officiel de Spider-Man dans le jeu. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça? Si j'avais vu ça, je crois que c'était... C'était pas un tweet de Link the Sun qui parlait ça quand il découvrait le jeu, il me semble. J'ai le souvenir d'avoir vu ça. Appuyez sur croix pour réaliser un saut d'araignée. Oui. Allô, Peter. Le travail. Où es-tu? Nous devons répéter la démonstration au moins une fois avant l'arrivée du comité de suspension. Oui, pardon. Je règle un problème personnel. J'arrive tout de suite, promis. Ah. J'ai intérêt à me dépêcher pour être à l'heure à mon voyageur. Ok. Ok, attends. Et L2, c'est pour viser, j'ai l'impression. Ok, puis là, l'espèce de lancer que je viens de faire, c'est maintenir L2, R2 et sauter avec croix. Intéressant. Bon, notre objectif se rapproche. Oui.
c'est trop bien. Je m'éclate, mais comme un gamin. Et j'ai pas encore fait de mission comme ce soir. Hein. Oui. Allez, on se rapproche de l'objectif. Est-ce qu'on peut avoir un peu de baston? Je suis curieux de voir comment Spider-Man se bat. Bon, probablement un coup de toile et de poing et de pied. Allez. Ah, bah salut les mecs, comment ça va? Ah oui, t'as les mecs, ils avancent armés de fusils d'assaut en mode je vais tous vous bourriner la gueule. On a besoin de renfort. 10-32, Times Square, officier prêt pour cible. Ah merde, 10-32, ok, 10-32, officier prêt pour cible. Ça sent le... Ils vont forcer le barrage, je le sens tellement. Wow! Ah oui, quand même! Évidemment, ils font tout péter, ces enfoiros. Ah, ils ont pris cher, les flics, là. Coucou! Surprise, motherfucker! Appuyez sur triangle pour réaliser une frappe de toile. Oui, appuyez sur carré pour attaquer. Et votre sens d'araignée s'affichera autour de votre tête pour vous prévenir des attaques imminentes. Lorsqu'il apparaît, préparez-vous à esquiver. Appuyez sur cercle pour esquiver. Ok. Alors, je vous préviens, non, je t'esquive. Ah, attends. J'ai la pêche, oui, parce que je te mets des pêches, t'as vu. LOL. Client suivant. Non, attends. L1, R1. Oh, je peux lui balancer des trucs. Tiens, prends-toi une plaque d'égout dans la gueule. Non, toi, tu vas prendre des coups. Voilà, tu vas la fermer. Oh, pas mal. Eh, frappe de toile. D'accord. Ouais, non. Regarde là comment je vais les éclater les autres poulets. Attends, appuyez sur cercle et utilisez le stick gauche pour esquiver sur le côté. Youhou! Mais appuyez sur R de façon irrépétée pour entoiler vos ennemis. D'accord. Ah, et le lance-toile est vide. Maintenez carré pour réaliser une projection aérienne. Appuyez de façon répétée sur carré pour réaliser un combo aérien. D'accord. Appuyez sur carré, puis sur croix pour réaliser une attaque bondissante. Le combat aérien est plus sûr que le combat au sol quand utilise les techniques pour apprendre de nouvelles actions aériennes. Ok. Allez, comme ça. C'est presque fini. Et vous? On est sur le point d'entrée. Me dépêche. Boum. J'ai hâte de voir la tête de Willy quand vous lui passez. Ah, le lance-toile est rechargé, je vais pouvoir les entoiler. Venez là, tas de boulet. Eh, vous êtes tombé sur une toile. Ça vous dirait d'aller sur le net? Vous surferiez sur la toile. LOL. Okay, Yuri. C'est bon. Qu'est-ce qui se... Oh, punaise. Yuri. Attends, je vais juste voir un truc. Comment on accède au menu? Comment on accède au menu? C'est... Attends, maintenir R2 pour... Oui, bah c'est ça, moi je vais accéder au menu. Ok, c'est... Pas ça, commande... Non. Ah oui, d'accord, on a carrément tout ça. Oh, le petit Spider-Man au-dessus. Ah, ok, il y a le... Ah, d'accord, l'espèce de truc au-dessus, c'est donc... Ah, d'accord, c'est peut-être la carte qu'il faut regarder. Option pause... Ouais, bon, on regardera ça plus tard. R3 affiche objectif, L3... Ouais, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Hein. Ok, on va fermer donc avec cercle, et donc il faut appuyer là-dessus. Compétences, mission, ah technique. Voilà, puis DLC juste pour vous montrer. Voilà, au moment où j'enregistre, le cas c'est la guerre des gangs, je les ai. Bonjour chère madame, vous êtes très jolie. Le retour de Silver, il sort. Bon, il sort le 21 décembre. Et on. Petit brisage de quatrième mur, on est le 14 au moment où j'enregistre. Alors, technique. Ok, donc attaque basique carré, combo basique 4 fois carré, frappe de toile épée sur triangle, saisie d'ennemis, maintenir triangle. D'accord. Esquive cercle, esquive longue cercle plus croix, esquive glissé carré cercle, attaque murale cercle carré, lance-toi le pied maintenant rapidement sur R1, saisir sol, maintenir carré puis maintenir triangle, saisir et jeter, maintenir L1 R1, soin, appuyer sur bas sur le D-pad, projection aérienne, maintenir carré, projection enchaînée, maintenir carré puis carré, combo aérien 4 fois carré, attaque bondissante carré croix, lancer aérien cercle, maintenir cercle, se balancer R2, saut croix, saut d'araignée croix, glissement vers un point L2 R2, donc c'est ce que je faisais tout à l'heure, lancement L2 plus R2 et croix, course murale maintenir R2, saut mural vertical croix, virage d'angle cercle, suspension au plafond L2, et c'est pas mal. Allez, on y va. Dégager la voie, atteindre la tour Fisk, c'est notre objectif. Bon, ça va, la tour Fisk, elle est pas très loin non plus. Hein. Oui! Je m'éclate tellement! Allez, la tour Fisk, bah, je crois qu'elle est là. Salut les mecs! Comment ça va?
et verrouiller l'espace aérien. Yuri, tout va bien? S'il arrive à sortir du bâtiment, on va le perdre. Du coup, je vais... Ouais, allez-y. Yes! J'adore le côté en mode balèque de Spider-Man, c'est genre, c'est le bordel. Bon, j'y vais, hein, ouais, salut. Hein. Hé, hey, où tu vas comme ça? Coucou. Cadeau! J'ouvre la voie! Ok. Appuyez sur croix pour sauter et maintenez R2 pour vous balancer. Eh bah allons-y. Appuyez sur carré pour triangle pour réaliser une frappe de toile. Accumulez de la concentration en attaquant vos ennemis. Plus vous avez de concentration, plus vous infligez des dégâts. Ah, ça me plaît. Augmentez votre compteur de coups pour gagner en concentration plus rapidement. Le combat aérien génère également un bonus de concentration. Désolé de vous le dire. Ok. Mais vous contrôlez rien du tout. Eh, couché. Merci pour le soutien. Non, couché. Couché, attends. Eh. Tu vas tomber sur une toile, dude. Nope. Eh, frappe de toile sur toi. Eh, nope. Les conditions de travail se dégradent à vue d'œil. God damn it, Spider-Man. Tu crois vraiment que c'est le moment de faire des blagues? Attends, les flics, ils sont avec nous. Ok, y'a plus personne. Joli petit combo de 26. Oh, bonjour, comment ça va, les mecs? Attends, ah, oh, dis donc, espèce de pimpon. T'as pas le droit de me faire des coups comme ça. Attends. Matière carré plus croix, hop, oh, ça passe. Oh, nice. Oh, stylé ce truc. Non. Oh, attends, où qu'il est l'autre pimpon là? Y'a un mec qui me tire dessus. Ah, nope. Je sais pas. Ah, il est là. Coucou. Non. Bah, non, j'ai pas envie, regarde, dude. Eh. Quelqu'un encore? Utilise la concentration pour vous soigner. La quantité récupérée dépend du niveau de concentration. Et puis, ouais, on va se soigner. Ah, bonjour. Bon. Sur L2R2 pour s'accrocher à un point. Hop, carré pour attaquer depuis un bord. Salut. Il est où l'ascenseur pour aller en haut, les dudes? Wouah, stylé. Stylé l'attaque murale. Je crois que c'était le dernier. Ok. Allez. Eh ben, on va sécuriser un peu tout ce Bataclan. Ils ont bloqué les ascenseurs, par les escaliers. C'est bon, moi je passe par le, je passe par les murs, les gars. Plus direct. Ok, je remets le tranquillou, tout va bien. Eh, les ascenseurs fonctionnent, les mecs, hein. Spider-Man. Ok, maintenez les hélicos, j'en peux faire un déplacement mural. Allez, on grimpe. Que personne ne prenne l'ascenseur. Nos hélicos et suivis. Ok, attends. Triangle pour. Des hommes armés à tous les étages. Il a peur. On va leur tataner la tronche à ces espèces de Boulettosaurus Rex là. Je dois le trouver et l'arrêter. Pas encore. On vient de capter un message. Ils sont en train de vider leur serveur. Il nous faut ses preuves si on veut le faire tomber pour de bon. Ok, cap sur les serveurs. Débarrasser la zone des hommes de Fisk pour la mission la plus du spectacle. Il vaut mieux que je réponde. Salut ton frère, il a l'état mystérieux. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je regarde un film de super-héros. Qu'est-ce qu'il y a? Je regarde un film de super-héros comme David Spider-Man. Moi aussi. Hop. Attends. Là, couchez-toi. Oh, cette classe dans le combo. Nope. Coucou. Non. J'esquive, dude. Eh, tiens, je t'ai pas fini, toi. Attends, eh. Les déchets, je les mets à la poubelle. LOL. Une barre pleine de concentration pleine vous permettra de réaliser un coup de grâce et d'assommer instantanément un ennemi. Tenez-le. Ok. Appuyez sur car, triangle et rond. Comme ça. Triangle et cercle et boum. Ouais. Je suis dans un état de grâce, les mecs. Eh, nope. 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 Boum. Alors, c'est qui le patron, les dudes? Non. Toi, tu vas te prendre un coup de grâce. Voilà. C'est bon, d'autres amateurs? Non. Alors, couché. Eh, prends des toiles, toi. Ah, bon, lance-toi, les vides. Eh, hey, l'ami, comment que c'est? Ça te dirait pas de... Voilà, dégager. Il faut que je trouve c'est bon serveur avant que l'épreuve ait disparu. Vous avez fini vos conneries? Il y a quelque chose par ici? Alors, je pense pas qu'ils auraient caché des collectables par là ou des infos. Ouais, faut probablement suivre. Allez, par là-bas. Oui. Là, ah, ils détruiront toutes les preuves. Je crois que c'est la salle des serveurs.
Appuyez sur R3 pour chercher des ennemis. Un accès discret. Et voilà. Ok. L2, R2 pour accrocher une bouche d'aération, comme ceci. Je rentre pour bonne conduite. Oh, oh, oh. C'est un festival. La ventilation est hyper propre. Eh, je rentre pour bonne conduite, franchement, elle est bonne la blague, elle est bonne. Appuie sur carré pour une élimination depuis une aération. Coucou. Ils sont trop mignons quand ils se doutent derrière. Ah, écoute mec, je vais te filer un tuyau. Un tuyau, t'as compris? LOL. Allez. Je peux encore en émiliner. Allez les mecs. Ouais bon, c'est bon. Je vais leur tataner la tronche. Surprise, Boutafoukas. Ouais, Spider-Man, c'est moi. T'as trouvé ça tout seul? Eh, j'ai envie de dire, les mecs. Comme ce cher Peter, vous le connaissez par cœur. LOL. Ouais, c'est bon, pas besoin de me soigner, dude. Regarde. Alors j'ai... À table. Il faut que j'accède à cette console. C'est bon. Tout soit perdu. Allez. On va se soigner encore un petit peu. Ok, voilà la console. C'est parti. On va tester l'efficacité de leur sécurité. Oh, vous avez oublié d'installer le dernier patch. Se cacher. C'est pas bien ça. C'est lâche. Coucou. Hey, c'est pas moi qui efface vite fait mon historique de recherche. Après toutes ces années, tu n'as pas changé. Tu es toujours un gamin naïf. Hein? Mais c'est ce qui fait mon charme, non? Va au diable. Enfoncez-moi cette porte, et vite! Il serait peut-être sage de... D'accord, j'allais dire de... Allez, karaté pour karaté pour le projection aérienne. Coucou! Un triangle. Ah ouais, d'accord! Stylé le truc. C'est mon œuvre. Qu'est-ce que tu as accompli, toi? Eh ben, une fois... Bah écoute, je suis en train de désinguer tes mecs à coups de poing. C'est un bel accomplissement, je sais pas ce que t'en penses. Sans moi, la vermine que je tiens en laisse va se répandre. Allez, couchez. Ah, je peux même pas leur... Eh, mon combo. T'as de bonnet. Non. Triste que ça s'arrête. Eh, couchez. Couchez. Je vous apprendre le respect, ma bande de sales jeunes, allez voir. Ah, c'est bon, c'est fini. 55. J'ai utilisé mon concentration pour m'en remettre à fond. Et 96 points de vie, on est bon. Oula. Elle est plus très stable, ta tour, l'ami. Hein. Une explosion à... J'ai vu. Fisk a pu piéger tout le bâtiment. J'envoie une unité de déminage. Je ferai en sorte qu'ils aient le champ libre. Oui. C'était là qu'il fallait aller, au moins. Hein? Salut, les mecs. Ah, mais genre. Attends. Allez. Coucher. Voilà, va dire bonjour à ton pote. Bon. Là, pas à prendre, dans ma poubelle, je vois c'est con. Ok. Oui. C'est bon, on y va. Oh. Bonjour. Ah non, eux ils sont avec nous. Les bombes font partie du plan de Fisk pour fuir. Ils doivent être coincés. Occupez-vous d'eux. Nous on se charge des bombes. Ok, c'est une mort femme. Oui. Tout le monde dehors. Aidez les... Non, je vais dire, je vais pas te taper, toi t'es un civil. Bonjour. Allez. Mais Ah, merde, j'ai L2, R2. Quand il faut faire L1, R1, ça marche pas. Allez, barrez-vous. Bon, attention, il n'y a pas vraiment d'autre choix que de passer par ici. On peut pas bouger. J'arrive. Dès que possible, foncez. Si vous pouvez, aider les blessés, compris? Carré. Allez. C'est bon. Allez, sortez de là, les doudes. On remet ça. On spam carré. C'était juste, hein. Bon, va falloir trouver une autre issue. Oh, mais on a une par là, dis donc. J'arrive. Allez vers le bureau de Fisk. Spider-Man, c'est Yuri. Comment ça va, capitaine? Ça pourrait aller mieux. Nos hélicos ont souffert, on a dû rappeler le dernier. Si Fisk appelle un hélicoptère, on n'a rien pour l'empêcher de se poser. Et on n'a rien pour le poursuivre s'il décolle. Pourquoi j'ai l'impression que c'était son plan depuis le début? Parce que c'est sûrement le cas. Allez. Non. Yuri, aidez l'équipe de Zim. On essaie. Ok. Wow, elle était belle celle-là.
Oh bonjour monsieur, tu as un lance-roquette. Attention. Que boum. Tu sais où tu peux te le carrer ton lance-roquette, dude? Oh punaise, il y en a encore. J'adore, appuyer sur esquiver. Non, moi je vais au contact. Rien à foutre, je suis Belmondo, je mets le coup de boule. Allez, couchez. Quoi, attends, t'es pas encore mort toi? Boum. Allez. C'est la journée mondiale de la... Ah. Hop, nope. Ouais, vous savez c'est quoi leur salade préférée? La roquette, lol. Tu la fermes jamais. Allez. Non. Tiens, prends-toi une frappe de toile, espèce de balai. Voilà. Bon. Eh ben c'est parfait. Allons voir le bureau de ce cher Fisk. Alors poteau, comment ça va? Comment l'équipe de déminage a... Orienter le cigale jardin puis R2 pour franchir les obstacles. Genre oui. D'accord, tout va bien. Il est là. Patience. Non. Attaque murale. Ouais. Non, couché. Je t'ai donné l'ordre de bouger, toi? Oui! Nope! Ouais, petite frappe de toile des familles. Bon, allez, ah, bon, d'accord, il avait plus de points de vie. J'espère qu'ils vont bien. Ok. Eh ben, dis donc, il se refuse de rien, le monsieur, hein. Allez, on va rentrer. Coucou! Vous allez bien? On était sur le point d'appeler des renforts. Eh ben, je suis là. Tu sens le fake arriver à des kilomètres. On sera juste derrière vous. Attention, chef. Tu l'as senti arriver dans ton loup. Oh, headshot, joli. Attends, les mecs avec les boucliers, comment on les gère? Les ennemis dotés de boucliers bloquent les attaques frontales, mais sont vulnérables dans le dos. C'est logique. Ok, appuyez sur triangle pour réussir une frappe de toile. Bon, appuyez sur cerf pour réussir à glisser et carré pour attaquer. Alors, par derrière. Ok. Depuis le début. Ah, j'ai l'image dans la tête maintenant. Fais-le. Abattez-le. Votre plan n'a pas marché. Hein, coucou. Non. Faut pas qu'il entre dans le bureau. Ouais, j'aime bien ce plan. Eh, viens ici toi. Eh, attends. Boum. Oh, t'as aimé ça, dude? Nope, tu m'auras pas, tu ne m'auras pas. Spider-Man, plus rapide que moi, plus malin, plus rusé. Il y en a peut-être. Avec certains de vos hommes bossaient pour Fisk. Bonne nouvelle, c'est que c'était le dernier rempart de Willy. Je suis devant son bureau. Arrêtez-le. Il s'appelle Willy. Avec plaisir. Ok, le mec, il a des tenues de samouraï, tout va bien. Bon. Et si on allait dire bonjour au patron, on est venu pour ça, non? Bon, écoutez, moi, je veux voir un responsable, là. C'est quoi ce bordel? J'attends mes sushis depuis une demi-heure. Je veux au moins un coupon pour mon prochain passage au resto japonais. C'est quoi ce bordel? Salut. On écrit ses mémoires? Oublie surtout pas le tirer entre Spider et Man. Préparez l'hélicoptère, ce ne sera pas très long. Je suis surpris que t'aies pu venir jusqu'ici. Mais tes pitreries s'arrêtent là. Oh, une vitre. T'es conscient que je te vois toujours là? 8 années de cette insolence. Oh punaise! C'est pour moi? Fallait pas? Ouais, faudra peut-être se bouger. Alors, non, nope. Ça recharge. Ok, allez. Boum! Ah, bouge! Ok, maintenant! Allez. Je sais pas combien ça t'a coûté, mais tu l'as dans le cul maintenant. Comment c'est possible? Eh ben Willy, t'as pas l'air content? Je vais t'aplatir! Non, c'est moi que tu dois aplatir, pas la table. Ah, nope! Ah, mais d'après ça, on peut carrément les intercepter. Coucou! Eh hey, mon grand! Comment ça va, dude? Ok, d'accord. Fisk bloquera les attaques de mêlée, il faut qu'on l'affaiblisse avec des toiles. Genre comme ça. Oui! Les toiles et des jets d'objets pour affaiblir le monsieur.
En gros, c'est un boss là. Genre, je lui prends la poubelle et je fais coucou. Ah non, mais voilà, j'allais dire redoude. Non, tu m'auras pas. Ok, tu m'auras pas. Coucou. Allez. Bourrinage. Ah, ah, saleté. Espèce de vilain monsieur. Aïe, tu fais mal, monsieur. Vite, le soin. Ok, on monte à 64, c'est pas suffisant. Coucou. Non. Aïe, aïe. Vilain, vilain. Vilain, monsieur Fisk. Tiens, pour la peine, prends-toi une toile. Aïe, non. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu fais du catch avec moi, monsieur? Je suis pas d'accord. Moi, je fais pas de catch, je fais juste de la boxe. Oh, punaise, t'as la force du mec, quoi. Et en plus, bon, ok, Peter, c'est pas le mec costaud, quoi, mais... Tiens, pour balancer un mec, il va faire quoi? 70, 80 kilos à tout péter? Vous savez quoi faire? Allez, encerclez-le. Ah, mais pour le vieux, on était remis à fond. Eh, non, on esquive le monsieur. Partez-vous! Ah, là, vous êtes formé au combat. Ouais, mais moi aussi. Eh, nope. Ah, nope. Aïe! Tu fais mal, monsieur! On en a encore? Eh, il y en a encore un là. Coucou! Bon, fils, t'es où? Non. Je vais m'occuper de tous les gars qui sont là, puis ensuite je m'occupe. Non, non, nope, nope. Ok, c'est moi où il a tapé? C'est moi où il a tapé son gus là? Non, mais là-bas. Mais d'abord, je veux m'occuper de ces. Attends, j'ai l'objet. Voilà. Tiens, prends-toi une poubelle. Je vais en profiter pour me soigner pendant que je l'ai. Non, nope, nope, nope. Au secours, j'ai 44 points de vie. Non, rien. Aïe! Tu fais mal, monsieur. Allez. Voilà. Non, non. Un point de vie. Un point de vie. Je remonte à 16. Faut tellement que je chope de la concentration. Eh ? Non. Allez, retour à l'envoyeur. Non, non, non. Faut que je l'esquive. Faut que je l'esquive. Faut que je remonte tout doucement mes points de vie. En plus, j'ai pas... Ah, nope, nope, nope. Attends. Non, nope. Allez. On bouge, on bouge. Dès que j'ai un peu de focus, je l'utilise. Oh punaise, il y avait du feu. Non, non. Nope, nope, nope. Supportable nuisible. Allez, viens là, ma grosse. Perds pas le fil. Perds pas le fil. LOL. Bah oui, parce que tu vois, le fil, le toile, tout ça. Nope, nope, nope. Allez. Allez, viens là, ma grosse. C'est le moment que tu prennes des coups. Ok. Je pense qu'on va passer une phase. Il y a quelque chose à faire. Certes, maintenant. Oh punaise. On est en train de s'effondrer. L2R2, maintenant. Ok. Est-ce que je peux utiliser mon focus pour récupérer des points de vie? Parce que j'étais toujours à 12 là. Hein. Triangle, 12. Coucou. Ah, attends, faut que je tâtonne avec carré. Allez, carré, 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 carré. Pourquoi la barre elle monte pas là? Ok. Est-ce qu'on l'aurait eu là? Eh, hey, possible. C'est là qu'on s'embrasse. C'est là qu'on s'embrasse. Cette vanne. Et ben ça, c'est ce que j'appelle... Ouh, attends, attends. Ça, c'est ce que j'appelle une entrée en matière fracassante. Qu'est-ce que t'en dis, Willy? Alors tu vas enfin voir Riker. C'est drôle, je crois que t'as plus d'ennemis que moi là-bas. T'imagines vraiment que ce petit désagrément va suffire à m'arrêter? Bon, faut que je file. Eh, hey, bonne chance, Willy. Je crois que tu vas en avoir besoin. Crétin, c'est moi qui maintenais l'ordre dans cette ville. Tu verras, dans un mois, tu vas me supplier de revenir. Eh, hey, hey, je pense à un truc, vu que le mec s'appelle Willy, qu'il est en prison. Les autres vont vouloir le sauver. Ils vont vouloir sauver Willy. Fin d'une époque. Lol. Faudrait fêter ça. Ok, 4100 XP de gagné. Oh, on vient de prendre un level. On est au niveau 2. Attends, on va ouvrir le menu pour voir ce qu'on... Donc on gagne 10 points de vie en plus. Et on... Ok, on a plein de compétences, donc appuie sur le pavé tactile pour accéder à la route compétence. Allons-y. Alors vous êtes passé au niveau supérieur et vous avez gagné un point de compétence. Appuyez sur croix pour continuer.
Vous recevez des points de compétence lorsque vous avez suffisamment de points d'expérience ou XP. Appuyez sur croix pour continuer. Terminez des missions et éliminez des ennemis pour gagner de l'XP et des points de compétence. Appuyez sur croix pour continuer. Ok, alors nous avons le choix. Donc innovateur, prise de toile. Maintenez triangle pour saisir et projeter les ennemis entoilés et électrifiés. Vous pouvez les jeter sur d'autres ennemis ou les coller à un mur. D'accord ? Défenseur, esquive parfaite. Appuyez sur cercle lorsque votre sens d'arrière devient bleu pour contrer vos ennemis avec une toile en pleine tête. Génère un bonus de concentration. C'est pas mal ça. Ou alors, coup de pied latéral, maintenez carré dans les airs pour envoyer un puissant coup de pied latéral à vos ennemis. Je dirais que pour l'instant, ce serait soit le coup de pied latéral, soit l'esquive parfaite. À la limite, je vais faire comme ça. Je vais commencer par l'esquive parfaite, et au prochain niveau, je prends le coup de pied latéral. À moins qu'il y ait quelque chose de sympa qui se débloque quelque part par ici. Ce qui marche aussi. Ok, donc faut maintenir croix pour acheter. Nous avons l'esquive parfaite. Ok, les ressources en bas, c'est quoi? Je peux voir. Juste, est-ce qu'on a accès à quoi? Donc coup parfait, appuyez sur carré lorsque votre coup touche un ennemi pour générer un bonus de concentration, d'accord. Fenêtre d'esquive augmente votre marge... Ouh. Ah, ça pourrait être intéressant ça dans les prochains niveaux. La fenêtre d'esquive pourrait être intéressante aussi. Et lancer, appuyer sur carré et maintenir triangle pour saisir un ennemi et le projeter dans la direction souhaitée. On a gagné une nouvelle technique. L'esquive parfaite. Donc esquiver au dernier moment pour réaliser une esquive parfaite. Celle-ci vous confère une courte invincibilité et ralentit brièvement le temps. Ok, si on a gagné quelque chose d'autre, le coup de grâce. Donc ça, on l'a eu pendant la mission. Et c'est déjà pas mal. Alors on va revenir à la carte qui n'est pas découverte. Ok, attends, c'est quoi ça? Pourquoi on est les... D'accord, on a les trucs de réseaux sociaux, tout va bien. D'accord, son nous, c'est quand même NYC Wallcrawler, rampeur mural de New York. D'accord. Donc il y a carrément les réseaux sociaux. Compte officiel de Spider-Man, l'araignée sympa du quartier. Your Freddy Neighborhood Spider-Man, évidemment. La photo, je suis en train de me dire, ça peut faire une bonne miniature si l'agrandissement est pas dégueulasse. Bon. Qu'est-ce qu'on va débloquer? Mon autre second travail, aller au travail. On y va. Oui ! Les lancements vous permettent de rester à bonne hauteur. Peter, où es-tu ? Le comité va arriver. Nous devons encore vérifier le matériel. Je suis tout prêt. À quelques rues. Je me débrouillerai sans toi. Non ! C'est trop dangereux ! Oui ! Bon. Que je vois où on en est, on peut... Je sais pas si la prochaine mission est longue. Mais en tout cas, une chose est sûre, on va y aller. Maintenez L3 dans les airs pour plonger. Ok, L2 pour vous balancer après un plongeon et gagner de la vitesse. Oh, bonjour, pardon, excusez-moi. Je me suis un peu planté dans mon mouvement, désolé. Désolé. C'était le Madison Square Garden, ça. D'accord, je ne pouvais pas faire de lancement d'ici. Hop. Ah, le virage angle, c'était comme ça. Et du coup, on n'a pas de... De toute façon, on n'a pas de map pour voir où étaient les trucs secondaires. Donc, à mon avis, peut-être qu'on fasse encore une mission pour ça. On va voir si on peut la faire aujourd'hui, si elle est pas trop. Voilà, si vous pouvez courir au milieu du mur, ce serait quand même beaucoup mieux, mon cher Peter. Ok, on approche. Concentration pleine. Yes! Hop là! Ah, et c'est juste en dessous. Je crois que nous y voilà. Par contre, tu vas bosser en tenue de Spider-Man, toi. Tu serais pas un peu suicidaire, dude? On a le droit de se poser des questions, non? Pardon, je suis... Ah non, d'accord. Wow. Oula. Vous avez déjà commencé? La direction du comité de subvention sera bientôt là. N'en fais pas, Peter. J'ai inventé cet équipement. Je crois pouvoir m'en sortir. Wow. Le filtreur électrique.
C'est pas vrai. On devrait peut-être arrêter. Pas encore. Si ça prend feu, faut arrêter, hein. Tenez bon. Je voudrais pas dire. Ah, Docteur Octavius, est-ce que ça va? C'est pas encore ça. Mais on progresse. Vous êtes blessé? Non, mais tout était de ma faute. Attendez, les niveaux d'énergie ont dépassé nos espérances. D'un certain point de vue, c'est un développement très positif. L'odeur n'augure pourtant rien de positif. Je vous assure, la phase suivante... Ne nous emballons pas si vite. Est-ce qu'on pourrait aller en discuter autre part? Tu peux prendre le reste de ta journée, Peter. Mais... On en reparlera plus tard. C'était une catastrophe. Alors, inspecter le bras artificiel. Je vais prendre ma journée, mais je veux comprendre ce qui s'est passé. Oh. Alors, donc stick droit pour bouger le bras. Et cercle pour quitter, d'accord. Voyons d'où vient le problème. Alors, réparer le bras artificiel, voyons voir. C'est cette espèce de tablette du coup. Octavius Industries. Alors, qu'est-ce que c'est? D'accord. Quel est le FUC? Alors, résultat du diagnostic. Piste cerveau-motrice endommagée. Cerveau-moteur déconnecté. Commande de tension. D'accord. Le circuit. Alors, le contrôle électrique du bras est endommagé. Appuyez sur croix pour continuer. Je l'aurais remarqué. Établissez une connexion entre la pièce de départ et la pièce verte, la pièce de départ verte et la pièce d'arrivée orange. Appuyez sur croix pour continuer. Ok, donc... Faut qu'on fasse un espèce de circuit électrique. Bon, là, il a l'air relativement évident. Donc, va falloir que j'aille prendre là. Bon, je vais prendre un truc en angle et que j'ai pivoté comme ceci. Je vais en prendre un autre que j'ai pivoté comme ça. Je vais prendre ça. Je vais encore en pivoter un comme ça. Puis ensuite, celui-là, je crois que je vais pouvoir le pivoter. Puis après ça, on devrait pouvoir finir le circuit sans trop de problèmes. Ça y est. Ben voilà. On a le circuit. Composants réparés. Voyons. Alors, certaines pièces ne permettent de connexion que dans des sens spécifiques. Appuyez sur croix pour continuer. Ah oui, effectivement, on voit les flèches qui sont là. Donc, comment je vais faire? Probablement faire un circuit comme ça. Dans ce genre de cas, bien souvent, le mieux c'est de partir de l'arrivée et de remonter au départ plutôt que d'essayer de bidouiller un truc et de s'embourber dans des trucs qui fonctionnent pas forcément. Donc, je vais mettre ça comme ça. Je vais peut-être mettre un comme ceci. Et limite les deux comme ça, je vais les mettre là. Puis au pire, on devrait pouvoir les déplacer. Donc là, il faudrait un comme ça. Là, je peux en prendre un et le mettre là. Et du coup, par déduction, je peux mettre ça comme ça. Ensuite, là, je peux mettre ça comme ça. Et avec un peu de chance... Attends, non, reviens. Avec un peu de chance, celui-là ne fait pas l'affaire. Ok, alors du coup, ça veut dire... comment je peux l'enlever? Retirer avec carré, ok. Du coup, ça veut dire que celui-là doit aller comme ça. Et du coup, celui-là, non. Ah, attends, je crois que je sais comment on va faire. Je vais prendre, finalement, le neutre, je vais le mettre là. Et là, il me reste comme ceci. Parfait. Voilà. Okay. Ça passe tout seul. Et on pour configurer les commandes de tension, vous devez respecter les conditions de charge. Appuyez sur croix pour continuer. Certains composants électriques fournissent une charge positive ou négative. Ok, donc, vu qu'il faut mettre vert, rouge, rouge, il faut qu'on arrive à 3 de tension visée. 3. En sachant, on a 2 plus 2. Ok, donc ça veut dire qu'il faut mettre plus 2, le plus 1, il sert pas à grand chose ici. Parce que là, on est à 4. Enfin, avec les dons gamins, on est à 4. On a un moins 1. On le met là, on est à 3. Et du coup, il me reste juste à terminer le circuit pour arriver à la tension visée. Normalement, on est bon.
Voilà. C'est pas mal. Donc les composants sont désormais réparés. Donc on va transférer le plan vers le bras et le chargement est terminé. Excellent. Voyons si ça marche. Allez, testons le bras artificiel. Comme neuf. Ouh. Ah ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup mieux. Le doc a testé de nouveaux matériaux pour les prothèses. Il m'a demandé d'y jeter un coup d'œil. Alors, travailler à la station du spectrographe. Ah, mais là, on fait plus de la chimie avancée, j'ai l'impression. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez. C'est le grand jour. Écoutons. Audit du comité de subvention. Nous sommes prêts. Nos travaux ont avancé à un rythme inespéré. Je ne pense pas qu'on parviendrait à ramener l'actionneur de traction à un seuil de tolérance acceptable, mais par cœur, ce garçon peut faire des miracles avec trois fois rien. Alors que j'étais prêt à commander une pièce détachée sur mesure, il est revenu du magasin de bricolage avec une bouteille de solvant et une brosse à dents. Et bingo! Problème résolu. Ce petit est un génie. Un génie toujours en retard. Déjà 10 minutes. Où est-ce qu'il est? Il n'a quand même pas oublié l'audit. Désolé de vous avoir lâché, Doc. On a un autre là qu'on peut écouter. Si on pourrait imprimer un lance-toile en 3D. Oh, c'est dingue que j'y ai jamais pensé. Je vais écouter le truc, moi. Bon, tant pis. Alors, voyons le spectrographe. Substance inconnue trouvée, génération du spectrographe. Votre objectif, identifier une substance inconnue grâce à son spectre d'absorption. D'accord. Faire correspondre les motifs. Utilisez des fragments de la substance inconnue et faites correspondre les rayons d'absorption avec le spectre. Appuyez sur croix pour continuer. Utilisez le stick gauche pour déplacer le curseur, appuyez sur croix pour prendre un fragment. Ok. Donc selon toute logique, il faudrait ce fragment-là. Placer le fragment sur un autre emplacement disponible et tenter de faire correspondre. Ok, d'accord. On va le mettre ici. Celui-là, on le met là. Et celui-là, on le met là. Ça, c'était relativement élémentaire. Substance identifiée. Composite hydrogel polymère. Hydrogel polymère. Résistant, mais avec une forte impédance. Je devrais dire au doc d'explorer d'autres pistes. Ok. Quitter le labo. Bon. De nouveaux projets spectrographiques sont désormais disponibles dans le contour du doc. On peut en refaire un vite fait. Ah oui, il y en a combien en tout? Ok, ah, on peut remporter l'XP en faisant des projets, cool. Il y en a 10. Attends, c'est quoi le truc violet? Je sais pas trop ce que c'est. Vous savez quoi, on va tenter les deux là, histoire de faire déjà les trucs secondaires. Matériaux candidat testé L37. Voyons L37. Alors, qu'est-ce que le doc faisait avec ça? A l'air relativement simple, j'aurais tendance à prendre ça. Et à le mettre là, ça, à le mettre là, et ça, à le mettre là. Substance identifiée, polydiméthyl siloxane. Les noms des composés, c'est jamais facile à prononcer. Hein. 200 XP pour ça, cool. Allez, matériaux testés, X23. On va faire ça vite fait. Et s'il n'y a rien qui nous retient, je pense qu'on pourrait s'arrêter après ça. Alors, certaines substances inconnues nécessitent d'empiler plusieurs fragments, appuyer sur croix pour continuer. Si deux raies d'absorption se superposent, elles forment ensemble une raie d'absorption plus épaisse. Ok. Alors. Réfléchissons un petit peu. Déjà, j'ai celui qui est à droite. On va mettre ça avec ça. Ok, ça c'est bon. Et maintenant, il va falloir... Ok, attends, je crois que le deuxième, je l'ai. On met celui-ci et celui-là. Et ensuite, il faut mettre quoi? Ah, attends, je crois qu'il faut mettre celui-là avec celui-là. Et boum! Elle est pas belle, la vie! Et nous venons d'identifier du réseau interpénétrant d'hydrogel. Ça va, c'est facile à prononcer. Interpénétrant d'hydrogel. C'est intéressant. Merci, Peter. Parfait comme interface dermique. Ok, les autres sont toujours verrouillés, très bien. Eh bah parfait. On a gagné un petit peu d'XP. Bon, je suppose qu'on est encore... Ouais, on a encore 750 points d'XP avant de prendre un level. Eh bah, ben, je crois qu'on va quitter le labo. Limite, s'il y a une petite conversation, on va l'écouter, puis le moment sera venu de nous arrêter. Ça fera un bon premier épisode. 50 minutes pour commencer, c'est pas mal. Ok, donc on a des conseils, appuyez sur carré ou triangle pour attaquer un ennemi, puis sur cercle pour réaliser une esquive glissée.
Appuyez sur R3 pour chercher des points d'intérêt autour de vous. D'accord. Ok. 250 XP pour cette petite mission, notre second travail, très bien. Spider-Man, c'est Yuri. Alors, Fisk est arrivé à Riker ? Non, pas à Riker. Notre ami a eu droit à un traitement VIP. Il est dans le raft. Ah ! Il rejoint Scorpion, Electro et toute la bande. Le gratin est là-bas. Fisk devrait être content. Vous pourriez passer au commissariat ? J'ai un problème et j'ai besoin de vos talents tout particuliers. À vous, Yuri ! Je refuse rien ! J'arrive tout de suite ! Ok ! Eh ben, on arrivera tout de suite, mais dans le deuxième épisode. Je pense qu'on va quand même faire une sauvegarde manuelle par sécurité. Voilà, on va faire hop, une petite sauvegarde vite fait. Parfait ! Et du coup, les gens, c'est là-dessus que je vous propose de clôturer ce premier épisode de Spider-Man. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le dernier petit pouce en bas de la vidéo, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou à parler de la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit tout ça. Vous le savez, la cloche de notification, ça fait plaisir. Les moments épiques et les faits, les clés à la saga, si vous connaissez la musique. Et en attendant la suite de nos aventures en tant que Spider-Man, je vous remercie encore mille fois de votre soutien, ne changez pas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.